En pile, moun pose question pour demander qui côté de la 50 taxes l'État haïtien prend sur l'argent diaspora aboué en Haïti en passé, y compris centimes sous appel téléphonique là. D'après un arrêté présidentiel que ancien président haïtien Joseph Michel Matéli a publié dans le journal officiel l'État Les Moniteurs, dans la date 22 septembre 2017, l'agence a adjoint Fonds national éducation FNE qui a comme mission participer dans l'effort éducation pour tout le monde à travers le pays d'Haïti, à gérer fonds qui destinés à éducation, notamment à financement au niveau de l'État, à privé, dépenses qui liées à coût scolarité, dans intérêt écolier haïtien, projet à études qui ont rapport à avancement, instruction, timoun, à construction ou bien amélioration infrastructure scolaire dans le pays. Directeur général institution ça, Jean-Ronald Joseph, depuis quelques jours, a fait face à l'accusation comme quoi l'État a gaspillé l'agence Sayo, une allégation qu'elle démentit. Il dit la Voix de l'Amérique, il a déjà intenté une action en justice contre Moon, qui a parlé mal contre Lio. Fonds, institutions lui-même, il y a action en justice. Et moi-même, comme directeur général, comme personne à titre civil, tout, il y a action en justice pour faire par rapport à allégations mensongères. Ronald Joseph dit, $50 diaspora, ak centimes sous appel téléphonique, yo, bien dépensé. DGFNIA a parlé de plus passé une cinquantaine de constructions établissements scolaires dans le pays qui évaluaient à plus passé 5 milliards de gourdes. Nous presque avoisinés à 5 milliards de gourdes en termes d'investissement en dans rubrique ça. L'on prend infrastructure scolaire, c'est côté qui est plus gros portefeuille qui est plus loin. Investissement allait jusqu'à 53%. Et de 2018 à aujourd'hui, côté fonds existé, nous avons 52 chantiers, 52 constructions d'écoles. Et avant de rentrer dans le fonds en 20 décembre 2021, à date, à mon arrivée, nous avons 27 nouveaux chantiers nous déraper. DGFNIA a gagné un mandat renouvelable 3 années qui a fini dans le mois de décembre 2024 à Nissa. Malgré tout, il a annoncé préparatif en pile grand chantier pour l'année académique 2024-2025. Ou en tout ça, pour VOA Creole, Port-au-Prince.